Ouverture hier de la session d'octobre du Conseil national de transition. D'une durée de plus de 2 mois, elle doit examiner la loi des finances 2023 et la loi rectificative du budget 2022, entre autres. L'invité d'honneur de cette session était le président du CNT de la Guinée-Conakry. Des détails à suivre. En extrême région, les populations réitèrent leur soutien aux autorités de la transition. C'est à travers une caravane qui a sillonné les communes de Ségou et Pelengana. À suivre les temps forts et la déclaration faite à la fin de la caravane. Ravi de vous retrouver. Bonjour à tous et bienvenue dans cette édition d'information de la mi-journée. Depuis hier, les membres du CNT sont réunis en session ordinaire du mois d'octobre, cela pour 75 jours, soit plus de 2 mois. À l'ordre du jour, l'examen de la loi des finances 2023 et la loi rectificative du budget 2022, entre autres. La cérémonie d'ouverture s'est déroulée en présence du Premier ministre par intérim, colonel Abdoulaye Maïga, et des membres du gouvernement, ainsi que du président du Conseil national de transition de la Guinée-Conakry. À l'ouverture des travaux, le président du CNT, colonel Malick Diaw, a félicité le soldat de la Renaissance du Mali, en l'occurrence le président de la transition, colonel Assimi Goïta, pour la bonne conduite de la transition. Plus de détails avec Siaka Konaté. C'est parti pour la session d'octobre du Conseil national de transition, appelée session budgétaire, puisque les membres de l'organe législatif de la transition auront à examiner les projets de loi des finances 2023, les projets de loi rectificatifs de la loi des finances 2022 et les projets de loi du règlement du budget 2018. Le vote du budget d'État, faut-il le souligner, constitue un moyen privilégié pour le Parlement de contrôler d'une part les recettes de l'État à travers le système d'imposition des citoyens et d'autre part les dépenses publiques en veillant à leur pertinence et l'orientation des ressources financières disponibles. Vous mesurez donc, chers collègues, la grande responsabilité qui est la nôtre en la matière. L'examen d'autres projets de loi est au menu de cette session de 75 jours qui s'ouvre en présence d'une délégation du Conseil national de transition de la Guinée conduite par son président Dansa Kourouma. Celui-ci a dénoncé les positions paternalistes de la CEDEAO qui, selon lui, doit passer de la CEDEAO des États à celle des peuples. Il estime que les processus de transition en cours dans son pays et au Mali résultent de la mauvaise gouvernance, de la corruption suscitant la colère des peuples. C'est pourquoi il a sa recette pour les réussites. Notre lutte commune pour une transition réussie dont les résultats généreront des mutations démocratiques profondes sera comprise par nos voisins et nos amis, comme notre contribution structurelle tendant à changer le devenir politique, économique et social de notre sous-région. En ce sens où nous sommes déterminés à enraciner et à élever des édifices constitutionnels et institutionnels qui ne favoriseront plus de nouvelles transitions, donc qui résisteront au temps et à la tentation des hommes. Avec les transitions politiques en cours au Mali et en Guinée, une autre page commune de l'histoire de nos deux pays est en train de s'écrire. Cette situation, comme vous le savez, est née d'une ferme volonté de redressement de la gouvernance étatique de nos États. En effet, nous ne pouvons plus admettre que depuis des décennies post-indépendance, nos populations continuent de vivre dans la précarité et dans l'insécurité. Nous devons donc faire en sorte, maintenant, que nos concitoyens puissent récolter les bénéfices sécuritaires, économiques et démocratiques qui vont certainement couronner nos périodes de transition. D'où l'absolue nécessité pour nos autorités respectives de faire des choix politiques judicieux, voire communs, permettant enfin à nos deux peuples de s'épanouir dans la paix, la prospérité et la sécurité. Et le colonel Malick Diaw de tirer le chapeau au Premier ministre par intérim pour sa brillante intervention à la tribune de l'ONU aux soldats de la Renaissance du Mali, en l'occurrence le président de la transition pour son combat pour le Mali. Je voudrais magnifier l'ensemble des autorités civiles et militaires de la transition dans le combat qu'elle mène au quotidien pour la cause malienne, c'est-à-dire redonner au Mali sa dignité et sa place dans le concert des nations.
Je tiens particulièrement à saluer le leadership et la clairvoyance du président de la transition, chef de l'État, Son Excellence le colonel Assimi Goïta. Martin Luther King disait, je cite, « La grandeur d'un homme ne se mesure pas à ses moments d'opulence, mais plutôt quand il traverse une période de controverses et de défis. » À ce sujet, nous sommes tous témoins que malgré les multiples soubresauts et adversités auxquels notre pays est régulièrement confronté, le soldat Assimi Goïta n'a pas été désaxé d'un iota et il ne sera sûrement jamais. Soldat dans l'âme et dans le sang, le président Assimi Goïta, que j'aime surnommer aussi l'imperturbable, ne déméritera jamais. À l'instar des autres acteurs du 18 août 2020, je pense profondément que si le président Amadou Toumani Touré, paix à son âme, a été le soldat de la démocratie au Mali, son cadet Assimi Goïta se trouve être le soldat de la renaissance du Mali. En votre nom, je le félicite à nouveau pour tous les efforts qu'il ne cesse de fournir dans la conduite sereine de la transition et lui assurer de toute notre détermination à œuvrer ensemble pour le renouveau de la mère patrie. Je voudrais par ailleurs saluer la participation à cette cérémonie du Premier ministre par intérim, le colonel Abdoulaye Maïga. Je lui renouvelle toutes nos félicitations et toute notre satisfaction suite à sa brillante intervention à la tribune de la 77e session ordinaire de l'Assemblée générale des Nations Unies. Nous nous réjouissons que son discours hautement patriotique et historique ait clairement exprimé les aspirations profondes du peuple malien et mis à nu les agissements sournois et discourtois de certains acteurs malveillants contre notre pays. Parlant de la situation sécuritaire, le président du CNT s'est dit convaincu que les FAMA vaincront les terroristes et leurs complices qui sont aux abois. Il souhaite un prompt rétablissement au docteur Chouguel Koukala Maïga, une année scolaire sereine, avant de saluer la tenue de la Semaine nationale de la réconciliation. Auparavant, il avait fait observer une minute de silence en la mémoire des victimes du terrorisme. Partons à l'intérieur du pays pour parler de la rentrée scolaire 2022-2023. À 100, Tombouctou et Gao, elle est effective. Les élèves ont assisté à la leçon modèle consacrée au changement climatique. Les temps forts de cette rentrée, c'est avec Drissa Kone, Nadim Baba Sissé et Sambaré Haïdara. Après 3 mois de repos, c'est le back to school dans la région de 100. Le gouverneur et sa délégation, confondus aux élèves de la 9e année A de l'école Bagoundjéné 1 Extension, ont pris part à la leçon modèle sur le thème « Les changements climatiques ». Le thème, il est très important et ça nous concerne tous. Si chacun s'implique, nous pouvons au moins apporter un petit changement. Ce n'est pas pour rien que le professeur est en train de vous dire quelles sont les causes et quelles sont les conséquences aussi. Et en contrepartie, qu'est-ce que vous devez faire ? C'est très important. J'ai entendu des solutions. Il faut planter des arbres, il faut entretenir des arbres. Voilà, tout ça, c'est des solutions. Mais il y aura d'autres solutions que vous allez voir après quand vous aurez un niveau plus élevé. Ainsi commence l'année scolaire 2022-2023 dans l'Académie d'enseignement de Sang. Concernant l'année scolaire, ce qu'on va vous dire, c'est quelques conseils. Les parents, ils sont épuisés. Mais malgré tout, ils ont couru dans tous les sens pour vous chercher des cahiers, pour vous chercher des sacs, pour vous chercher des habits, pour que vous veniez apprendre ici. Les autorités de ce pays songent à vous. On veut que l'école, aujourd'hui, retrouve sa valeur d'antan. Après ces cours, les autorités ont procédé à la plantation des arbres dans la cour de la dite école en compagnie des élèves qui s'engagent en ces termes. Monsieur le gouverneur, nous allons entretenir ces arbres quand le changement climatique nous concerne tous. Auparavant, la délégation avait procédé à la montée des couleurs.
C'est à l'école fondamentale Beidodji Ak Knadodjaz, dans la commune rurale d'Alafia, que les autorités régionales ont procédé au lancement de la rentrée scolaire 2022-2023 dans la région de Tombouctou. Cette rentrée scolaire est pleine de défis, ont laissé entendre les acteurs et partenaires qui sont à pied d'œuvre pour un bon déroulement de l'année scolaire. Vous l'avez remarqué aujourd'hui que vraiment toutes les dispositions ont été prises pour une bonne rentrée scolaire 2022-2023. Et en ce qui concerne les écoles fermées, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'écoles fermées, mais il y a eu des concertations au niveau de chaque cap pour la réouverture donc des écoles fermées. Une leçon modèle sur les changements climatiques en classe de 6e année donne le top départ des cours. À la fin, le directeur de cabinet a prodigué des conseils aux élèves afin de s'engager et réussir l'année. Avant de quitter, lui et sa délégation, composée d'une mère et partenaire de l'école, ont planté des arbres, un geste en lien avec le thème choisi. Nous remercions l'accompagnement des partenaires nationaux et internationaux, notamment l'UNICEF qui vient de donner quelques sacs aux écoliers, mais également qui nous accompagne au cours de la réouverture en nous permettant d'avoir quelques enseignants temporaires pour pouvoir combler les gaps. Certains parents, pris par leurs occupations, ont choisi ce jour de la rentrée pour inscrire leurs enfants. Je suis venu inscrire mes enfants à l'école de Baris. Vraiment, cette rentrée, c'est abordable. On est prêt pour accueillir les enfants. La rentrée scolaire est effective sur l'ensemble de la région de Tombouctou, nous confirment les autorités scolaires et administratives. La rentrée scolaire 2022-2023 est placée sous le thème « La réconciliation et la lutte contre le changement climatique par les plus hautes autorités de notre pays ». Ici à Gao, le chef de l'exécutif régional, accompagné d'une forte délégation composée de l'ensemble des acteurs du secteur de l'éducation, a pu constater de visu l'effectivité de la reprise des cours. J'ai demandé aux élèves d'être très ponctuels, très courageux, très assidus et d'être enthousiastes. Aussi aux professeurs de faire tout pour maintenir un climat apaisé au cours de cette année scolaire pour le bien de nos enfants qui sont le futur du Mali de demain. La protection de l'environnement et la promotion du développement durable passeront forcément par la transmission de ces notions aux plus jeunes. Le thème de cette année scolaire est consacré à l'environnement. Donc je demande aux élèves d'abord que ces leçons apprises par rapport à l'environnement soient des comportements, mais soient pas seulement des leçons apprises pour avoir des notes. Plantation symbolique d'arbres, don de kits scolaires aux élèves et aux enseignants par l'UNICEF et visite des écoles publiques et privées étaient les temps forts de ce premier jour de classe à Gao. La rentrée scolaire est également effective dans les régions du Mopti, Minaka, Djouila et Nioro. Autorités et acteurs de l'école rassurent quant au bon déroulement des cours. Suivons les reportages de Idrissa Keïta, Mohamed Lamine Maïga, Daniel Fomba et Moussa Diakité. Par cette visite, le directeur de cabinet du gouverneur de Mopti est venu s'assurer de l'effectivité de la rentrée scolaire 2022-2023. C'est ainsi qu'au pas des charges, il s'est rendu successivement au groupe scolaire Robert Cissé, au lycée privé franco-arabe Sabil El Idiati, au lycée public et au complexe scolaire Lassana Samasekou de Mopti. Cette année, il y a plus de 239 000 élèves qui ont repris le chemin de l'école, ce qui est une très bonne chose. Nous avons constaté la présence effective des élèves et le personnel d'encadrement, de la maternelle jusqu'au niveau du secondaire. La thématique principale de la rentrée scolaire est placée dans le cadre de la lutte contre les changements climatiques qui va être matérialisée par un élève, un arbre. Au niveau secondaire, la réconciliation nationale. De quoi réjouir le directeur de cabinet qui a invité les acteurs de l'école à plus d'engagement et de responsabilité. Partout où nous sommes passés, les leçons modèles sur les changements climatiques, sur la réconciliation ont été dispensées par des maîtres qui maîtrisent parfaitement leur sujet et on a fait l'expérience au complexe Lassana Samasekou. Les enfants, les tout petits de la 9e année, 8e année ont maîtrisé les thèmes, les changements climatiques. Ce thème est bienvenu dans notre région parce que depuis septembre, le cercle de Djéné est victime d'inondations les pires de son histoire. Pour rester collé au thème de cette rentrée scolaire, le directeur de cabinet et sa délégation ont planté quelques plants et le tout bouclé par la remise d'une moto Jakarta à la meilleure élève, Tata Kamité de la 10e année CG,
au lycée privé Lassana Samasekou avec 18,0 dès 2 mois. Une forte délégation composée des autorités scolaires et administratives, la coordination des comités de gestion scolaire et des responsables des collectivités territoriales a procédé à la cérémonie de la rentrée scolaire 2022-2023. La montée des couleurs nationales a constitué un moment fort de la cérémonie. Vous devez compter sur vous-même et rien que sur vous-même. Le DEF, ça se prépare aujourd'hui. L'État compte sur vous, vos parents comptent sur vous et nous, administration scolaire, nous comptons vraiment sur vous. Les responsables ont ainsi prodigué des conseils et des encouragements aux élèves et à leurs enseignants. Donc aux enfants, on leur demande vraiment d'être courageux, assidus, venir à l'heure, apprendre leurs leçons pour qu'ils puissent aller dans les classes supérieures. Les leçons modèles dispensées ce 3 octobre 2022 portent sur le changement climatique dans les écoles fondamentales et sur la réconciliation nationale au lycée. Ils sont 6410 élèves inscrits cette année au nom de l'Académie de Ménéka. Rappelons que l'Académie de Ménéka compte 4 centres d'animation pédagogique, un lycée public et 2 centres de santé. Accompagné de ses collaborateurs, le conseil aux affaires administratives et juridiques a sillonné plusieurs établissements publics et privés pour constater l'effectivité de la nouvelle rentrée scolaire et prodiguer des conseils aux élèves. Et du point de vue infrastructure, ils ont pris toutes les dispositions nécessaires pour accueillir les élèves et faire une bonne rentrée scolaire. Les autorités ont prodigué des conseils à l'endroit des enseignants pour redoubler d'efforts, faire davantage, parce que des efforts, ils en font déjà. Et on l'a eu à le constater à partir des résultats qui ont été acceptables. Cependant, des efforts sont encore à faire. Les élèves sont sur place, les professeurs sont sur place, les classes, les cours sont désherbés. Les leçons modèles ont commencé dans toutes les écoles que nous avons eu l'occasion de visiter. Nous avons demandé aux élèves d'être ponctuels, assidus et travailleurs tant souhaités par les hautes autorités du Mali. Il y a eu beaucoup de doléances, surtout le manque de professeurs, et le matériel, les tables bancs, nous avons noté. Mais en fin de compte, nous remercions quand même les autorités nationales, régionales et locales, aussi bien que tous les acteurs de l'école qui ont œuvré à cette rentrée scolaire. Il a en outre constaté le pléthore dans certains établissements, particulièrement le lycée de Wele Mariko de Doula, où se trouvent 127 élèves dans une seule salle de classe, avec un seul professeur de bio pour tout l'établissement. À l'instar des autres localités du pays, les élèves du fondamental ainsi que ceux des établissements secondaires publics et privés de la région de Nioro ont repris ce lundi 3 octobre le chemin de l'école. Le gouverneur de la région, à la tête d'une importante délégation, s'est rendu dans plusieurs établissements scolaires de la ville pour s'enquérir de l'état de démarrage des cours. À l'école fondamentale Mbouye Sibi, première étape de cette visite, les travaux ont commencé par la montée des couleurs. Puis direction une classe de 9e année pour suivre la leçon modèle sur le thème « La lutte contre les changements climatiques, un élève, un arbre ». Ce fut ensuite la plantation d'arbres. D'abord le gouverneur de la région, puis les autorités scolaires. Le département cette année a proposé 2 leçons modèles. Une leçon liés aux effets concernant les effets liés au changement climatique avec le slogan de un élève, un arbre. Ça, c'est au fondamental. C'est un sujet d'actualité. Tout le monde aujourd'hui constate qu'il y a un déplacement des saisons par rapport aux temps anciens. Donc, tout le monde ressent ces phénomènes-là. Il s'agit, à travers cette leçon modèle-là, d'expliquer aux élèves quelles sont les causes de ces changements-là. À l'Institut de formation des maîtres IFM 2e étape de la visite,
La délégation a suivi avec attention dans une classe de deuxième année généraliste la leçon modèle sur la réconciliation nationale. Le gouverneur et sa délégation ont ensuite visité les kits d'hygiène et d'assainissement et les ouvrages d'adduction d'eau potable offerts par l'UNICEF dans le cadre du projet WASH suite à une requête du directeur de l'académie. Dans les autres écoles visitées, les constats étaient les mêmes. La leçon modèle que j'ai suivie au niveau du fondamental qui est autour du changement climatique, d'abord, je suis rassuré qu'il y a une prise de conscience. Cela reflète la prise de conscience que le changement climatique est un danger qui guette et que chacun a sa part à jouer, à commencer par les élèves. Après 3 mois de vacances, les élèves des régions de Kai, Kita et Kuchala ont repris le chemin des classes. Les différentes autorités en ont profité pour prodiguer des conseils aux apprenants. On en sait plus avec nos reporters Balkissa Sadibou Sherif Aïdara, Mamadou Aliou Bari et Brima Koni. Pour cette rentrée scolaire 2022-2023, le gouverneur de région, accompagné d'une forte délégation, s'est d'abord rendu à l'école Benkunda A. Après la montée des couleurs, le colonel Moussa Soumaré et les autorités administratives et scolaires qui l'accompagnent ont suivi en même temps que les élèves de la 6e année A la leçon du jour qui portait sur le changement climatique. Après cet exercice, ils se sont rendus à l'Institut de formation professionnelle industrielle, puis au lycée Imam Malik. J'ai été très heureux de constater que dans l'établissement visité, la rentrée était effective. Au niveau du fondamental, nous avons même assisté à la leçon modèle du jour. Et aussi, comme indiqué par les responsables scolaires, nous avons procédé à la plantation de quelques plants d'arbres. Et au niveau secondaire également, professionnel et général, nous avons pu constater que les élèves sont là. Et beaucoup de personnel d'enseignement aussi étaient présents. Donc nous pensons que la rentrée est effective au niveau de ces établissements-là. Il faut cependant noter quelques petits soucis, ça et là, selon le directeur de l'Académie d'enseignement de Kai. Par exemple, l'approvisionnement en fourniture scolaire pour l'enseignement secondaire général. Et bon, ça, de part et d'autre aussi, il y a des absences. Bref, la rentrée, elle est timide, mais ça va. On n'a pas de problème. Et puis, il y a un détail à souligner, c'est que pour le moment, toutes nos écoles sont accessibles. Parce que nous sommes en plein hivernage et c'est important de le dire. Après une plantation d'arbres à l'école Benkunda A par le gouverneur, il a invité les élèves, parents d'élèves et acteurs de l'école à une synergie d'action pour une année scolaire apaisée. Rappelons que dans la circonscription académique de Kai, ils sont plus de 250 000 élèves, tous ordres confondus, à reprendre le chemin de l'école. À cette rentrée scolaire 2022-2023, les autorités de la région de Kita se sont rendues dans plusieurs établissements de la place pour s'assurer de l'effectivité de la reprise. De l'école fondamentale de Kita Gar, en passant par les lycées privés, Wassa Lamine Cissé de Samedougou et Alouma Sidibé de Koflabé et l'école fondamentale de Koflabé, le constat est satisfaisant. Je suis très heureux de participer à l'ouverture de l'année scolaire. Tout n'est pas facile. L'État est en train de mettre tous les moyens pour qu'ils puissent revenir dans leurs conditions normales. Donc je vais tout simplement dire qu'ils essaient de comprendre la position du Mali actuel. À Kita, la reprise est effective. Et je pense que nous sommes là en tant que Sénégal, en tant que partenaire de l'école, pour accompagner les plus hautes autorités pour que la rentrée soit effective. Dans l'académie d'enseignement de Kita, ils sont des milliers d'élèves à reprendre le chemin de l'école. Vous l'avez observé avec moi, que les enfants sont sur place. Et les enseignants, ils sont là, les syndicats sont là avec nous par rapport à cette rentrée. Ça, c'est une fierté. Ce que je voulais lancer comme appel, c'est de demander aux enfants de compter sur eux-mêmes, de travailler. Le programme de cette année, c'est le programme normal. Au Mali, les 3 F, c'est fini. Il faut travailler. Et je demande aux parents d'accompagner les enfants, de suivre leurs enfants. L'éducation, on se le partage. Ce n'est pas seulement à l'école. À la maison, il faut que les parents suivent les enfants. Aux enseignants, d'être assidus et de tenir compte du temps d'apprentissage de ces enfants. Cette année, je demande à tout un chacun, y compris les élèves,
et les enseignants vraiment de planter un arbre. Il ne suffit pas seulement de planter un arbre, mais il faut l'entretenir. L'événement se passe très bien. On sent que les élèves étaient très pressés de reprendre les cours. Les enseignants sont présents et en toute objectivité. L'effectivité a été constatée, l'effectivité de la reprise a été constatée par le gouverneur et l'ensemble de sa délégation. En tant que d'abord parent d'élèves et en même temps en tant que chef de l'exécutif régional, mes voeux sont que l'année scolaire puisse continuer comme elle vient de commencer. Qu'il n'y ait pas de débrayage, non seulement de la part des élèves, mais aussi de la part des enseignants. Que tout le monde s'assume, qu'on lave les linges sales en famille, s'il y en a. On n'a pas droit à l'erreur, qu'on soit enseignant ou bien qu'on soit élève. Il faudra que d'abord le Malikoura commence par nous. Que les enseignants sachent que l'éducation des enfants est entre leurs mains. Et qui parle d'éducation des enfants parle déjà de l'avenir d'un pays. Donc à cet égard, il faudra qu'on enseigne les bonnes idées, qu'on enseigne les bonnes pratiques. Sur un tout autre sujet, en 4e région, une caravane suivie d'un meeting a été organisée par les mouvements et associations de soutien au président de la transition et à son gouvernement. Elle a traversé les communes de Ségou et Pelengana pour soutenir le discours prononcé par le premier ministre par intérim à la tribune des Nations Unies. Une déclaration a été faite à cet effet. Fousseni Samake, Bassi Traoré. Du marché de Médine à la place de l'indépendance de Ségou, en passant par les ronds-points de Pelengana, le marché Château et les ronds-points de l'hôpital Nyanangoro Fomba, cette caravane avait un seul objectif, soutenir les autorités de la transition dans leur engagement pour le Malikoura. Une déclaration a été faite à cet effet par les organisateurs qui sont les mouvements malikéléens, le M5-RFP, l'association Ouadatou Sabiatou, entre autres. Les populations de Ségou, toujours mobilisées, réaffirment leur soutien indéfectible à la transition et au colonel Assimi Goïta, chef de l'État, pour l'avènement d'un Mali refondé, souverain, fort et prospère. Les populations de Ségou saluent le discours historique tenu le samedi 24 septembre 2022 à l'Assemblée générale des Nations Unies par le Premier ministre par intérim. Discours qui rentrera à jamais dans les annales. Les populations de Ségou dénoncent les sanctions inhumaines, injustes, illégales prises par la CEDEAO à l'encontre de la République sœur de Guinée. À travers ces meetings, les Ségouviens se disent déterminés à soutenir les actions du gouvernement de la transition pour une sortie de crise. Ségou ne se limitera pas à cette seule mobilisation. Nous serons toujours avec le gouvernement de la transition pour ses actions. Les différents intervenants ont soutenu le discours tenu par le Premier ministre par intérim du Mali à l'Assemblée générale des Nations Unies le 24 septembre dernier. Ainsi s'achève ce journal. Merci de l'avoir suivi. Nous vous donnons rendez-vous demain même heure, même plateau, Inch'Allah.